Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une vidéo où je vous présente des nouveaux articles que j'ai reçus de deux boutiques, donc Shein et Everpretty. Donc Everpretty, c'est une nouvelle boutique que je commence à peine à découvrir. Bon, je suis trop contente, j'ai trouvé trois robes franchement super mignonnes. Ce que je voulais vous dire, c'est que en vous présentant ces nouveautés, j'aimerais vous participer parce que j'aime de plus en plus vous faire participer à mes vidéos. Je trouve l'échange encore mieux. Je voulais vous dire de du coup choisir trois tenues que vous préférez dans l'ensemble des tenues que je vais vous présenter, que je vais embarquer avec moi du coup à Mykonos cet été. Vraiment vos trois favorites sur tout ce que je vais vous montrer. Je compte sur vous, j'ai hâte de lire vos commentaires. Celles que vous aurez sélectionnées, je les embarquerai de sûr avec moi cet été à Mykonos, parce que des fois on essaye de tout mettre dans la valise, on se sert pas forcément de tout, et j'aimerais bien du coup avoir votre avis sur les tenues. Donc on va commencer du coup avec la nouvelle boutique everpretty.com. C'est vraiment dans le style en plus de Mykonos, donc je pense que vous allez adorer. Je l'ai pris en taille 38 et les tailles sont parfaites, hein. Vous les verrez porter comme d'habitude parce que je trouve qu'on voit mieux le rendu. C'est parti, première robe c'est celle-là, donc je me vois bien. Franchement, vous savez que dans les rues de Mykonos comme Santorin et tout ça, il y a toujours des jolis coins avec des maisons fleuries et tout ça, et je pense que cette robe va être juste parfaite. Après, je pense que comme elle est à manches longues, je pense que c'est plus à porter en soirée qu'en journée à Mykonos, parce qu'avec la chaleur, surtout qu'ils annoncent un été ultra chaud, encore plus chaud que l'été 2018, je pense pas la porter en journée, mais en soirée ça peut être sympa. Donc voilà, elle se présente comme ça, elle a un joli petit nœud devant, un décolleté en V, et ça j'aime beaucoup. Les manches volantes j'adore, c'est resserré à la taille, et en bas elle est simple. Elle arrive au-dessus des genoux, donc elle a plein de roses, de fleurs rouges, j'aime beaucoup. Elle se ferme avec une fermeture éclair derrière, et j'adore en fait l'effet de la bande en bas. Je vous dis pas moi quels sont mes préférés pour pas vous influencer, hein. Voilà, je vous montre juste les vêtements du coup que j'ai reçus, et je compte sur vous pour me donner du coup votre avis, j'ai trop de vous lire. On continue avec celle-ci, je ne dirai rien sur ce que je pense. Mais elle est vraiment très jolie. Alors attendez, je vais la fermer aussi. Il faut savoir que là déjà les deux robes là que je vous montre, elles sont doublées. Donc voilà, il n'y a aucun problème de transparence, hein. Je préfère vous le préciser, parce que des fois c'est le problème des robes qu'on commande, on les voit pas forcément, et du coup après on se dit mince, ça peut être transparent ou non, mais là il n'y a aucune surprise, elle n'est pas du tout transparente. Donc voilà comment elle se présente. Elle est splendide, ça fait vraiment esprit Mykonos celle-là, hein. Genre du bleu et du blanc, j'aime beaucoup. Donc elle se ferme au niveau du cou, j'en avais pas des comme ça, donc c'est super joli, avec un effet dans le dos, dos nu en haut et deux petites bretelles, donc ça c'est trop beau. Elle est ouverte au niveau du décolleté ici, donc ça laisse apparaître la peau au milieu, donc je trouve ça tellement joli. Elle est resserrée au niveau de la taille, et après elle part en évasé avec des fleurs, et elle est arrondie un peu, vous savez, vers le bas, elle a des petits arrondis, je trouve ça tellement beau. Elle est doublée, donc pas de transparence comme je vous le disais, et derrière elle est vraiment belle, hein. Il y a les mêmes motifs derrière, donc elle est vraiment canon. Passons à la troisième et dernière robe du coup du site Everpretty. Donc c'est cette robe-ci toute simple à fleurs, donc j'aime le décolleté arrondi sur le devant, les bretelles qui sont plutôt larges ne me dérangent pas, je trouve ça assez simple, assez joli, et j'aime beaucoup le combo du noir et blanc en fait, tout simplement. Simplement, je trouve que ça passe avec tout. Donc voilà, je la trouve très simple. Elle est resserrée au niveau de la taille. Elle est évasée au niveau du bas. Par contre, elle est assez courte quand même, hein. Donc voilà, si vous avez des complexes au niveau des jambes, faut faire gaffe, parce que ça arrive carrément au-dessus des genoux. Après, elle est très jolie, hein. Ça reste une robe d'été. Elle se ferme avec une fermeture éclair dans le dos également. Et je les ai pris toutes en taille 38, hein. Donc voilà, ça taille parfaitement. C'est parti du coup pour les nouveautés de chez Shein, avec qui je suis en collaboration depuis un moment. Donc ça, il y a des robes que je vous ai montrées. En fait, dès que j'ai reçu le colis, d'ailleurs c'était le 28 mai, je vous expliquerai pourquoi je vous dis ça, dès que j'ai reçu le colis en fait, je n'ai pu m'empêcher d'essayer les robes quand je les ai vues, surtout de vous les montrer en fait portées sur Instagram, parce que je les trouvais absolument belles. Et du coup j'avais eu énormément de compliments sur certaines robes que je vais vous présenter, et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé d'où elles venaient, mais j'attendais de vous faire cette vidéo pour vous le dire. Donc pour celles qui ont craqué, les liens sont en barre d'infos, n'hésitez pas, parce qu'elles vont partir très vite. Donc première robe c'était celle-ci. J'aime trop. C'était mon rêve d'avoir une robe longue, fleurie pour cet été. Elle est juste trop belle. Donc elle a des manches volantes et très courtes. La matière est ultra souple et ultra légère. Elle a un col rond, et en fait elle a des boutons jusqu'en bas. Donc ça c'est juste trop beau. Donc j'ai pas tout boutonné, mais elle a bien les boutons jusqu'en bas. Elle est ultra longue. Moi je fais partie des femmes petites. Donc voilà, pour celles qui ont peur, ne vous inquiétez pas. Moi je suis 1m62 et elle me va. Je ne marche pas dessus. Donc vous pouvez foncer. Elle est vraiment très belle derrière. Elle est vraiment toute simple, hein, avec les petites fleurs et tout. Elle est légèrement resserrée en fait au niveau de la taille, et je pense que même en accentuant avec une ceinture, ça peut être chouette aussi pour faire casser un peu le contraste. En fait je les aime toutes, donc ça va pas vous aider pour votre choix, mais je suis sûre que vous allez m'aider. Par contre, on a cette autre robe, donc à volant sur les côtés, vraiment très très belle, resserrée avec des ouvertures en fait sur les côtés, et ça je trouve ça trop beau. C'est un esprit un peu crocheté, elle est doublée, donc pas du tout transparente, hein, je vous assure.
il y a une doublure à l'intérieur et elle a un dos nu avec des pompons bleus. Donc là ils sont attachés mais en gros faut faire un nœud avec les pompons. J'ai trouvé les pompons bleus ben, vraiment dans le thème de Mykonos hein, donc voilà. Elle se referme avec une fermeture éclair ici et après ben, elle est vraiment très très belle hein, avec une broderie assez simple mais elle fait son petit effet. Ça sur un bronzage cet été ça peut être vraiment canon. Autre robe, on reste dans le thème bleu hyper classique mais tellement belle. C'est une robe débardeur donc c'est à dire sans manches, rayée sur le haut de ce côté et rayée en bas comme ça. Elle a des boutons jusqu'en bas, elle est vraiment trop belle. J'aime les vraies poches sur le devant, c'est vraiment des vraies poches, donc il y en a deux. Elle est assez longue, donc ça, ça arrive vraiment en dessous des genoux, hein, ça arrive carrément au mollet. Et derrière, elle a un nœud dans le dos et je trouve ça tellement, mais tellement joli. On reste dans le bleu, on reste dans le thème, été, summer, Mykonos. Autre robe, alors ça aussi, ça va rester dans une robe bleue simple. Mais elle est fleurie, donc elle est simple. Pourquoi? Parce qu'elle est noire et blanche. Les motifs sont moins gros, mais j'aime beaucoup se ranger avec une paire de lunettes de soleil, un chapeau et autres, même des baskets. Elle arrive juste au-dessus des genoux, elle a des boutons jusqu'en bas, et en fait, à la fin, elle se finit en forme de volant comme ça. Donc celle-ci avait été très appréciée également sur mon Insta story. Derrière, elle est toute simple et j'aime les manches volantes comme ça. Gros coup de cœur, franchement, on trouve de trop chouettes robes sur Shein et j'en ai encore opéré d'autres. À moindre coût, genre tout ça, on n'a même pas pour 100€ quoi, donc ça vaut le coup de s'habiller pour 100€ pour cet été sur Shein. On s'éloigne un peu de la mer mais on part plus dans un esprit tropique, c'est cette longue robe tropicale. Elle a plein de boutons également jusqu'en bas. Elle est très 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 longue mais pareil il n'y a aucun souci de taille hein. Je suis 1m62 et elle me va. Elle est sans manche bien entendu et derrière elle se ferme avec un petit nœud comme ça donc elle est trop belle, ça laisse apparaître un peu la peau. On termine avec la dernière robe et après il y aura un maillot de bain et deux accessoires. Si vous avez été nombreuses à l'adorer donc ça faisait un moment que je rêvais d'avoir une robe à poids longue, donc je l'ai pris en noir et blanc, elle est vraiment très belle, les manches sont vraiment à volant très fines, elle est pas transparente du tout et en fait la particularité de cette robe, et là j'ai été juste choquée en fait quand je l'ai reçue, je me suis dit non mais jamais je porterai ce genre de robe qui se ferme uniquement avec un nœud, un cordon devant puisque j'ai dit on va tout voir mais en fait vous allez l'avoir porté quand vous fermez en fait le nœud, ça se ferme tellement bien qu'en fait ça laisse juste apparaître légèrement les jambes quand vous marchez et là c'est hyper bien fermé, on voit rien du tout. Franchement ça même pour un soir au bord de la plage à siroter un verre et avoir le coucher de soleil, je crois que c'est la robe parfaite parce qu'en fait elle fait en même temps été, en même temps elle fait classe, elle fait chic. On va passer au maillot de bain. Alors là ce maillot de bain quand je l'ai vu je me suis dit mais il est fait pour moi. C'est ce maillot de bain du coup cactus qui est vraiment trop beau. Donc vous avez la brassière devant, c'est renforcé avec des bonnets donc ça c'est top. Vous avez deux petites lanières devant pour faire un nœud. Derrière elle est refermée toute seule, il est blanc, il est rouge, il est... Ah non je l'ai pris en taille M pour celles que ça intéresse. Et le bas est vraiment tout simple. Bon il est un peu string hein, si je puis dire, enfin plus tanga que string. Mais voilà il est court, il recouvre pas la totalité de votre postérieur. Mais il est rouge, il est simple, voilà il est assorti au haut. Mais j'aurais bien aimé qu'en fait le bas ait des petites touches de cactus. Mais peut-être avoir mis des cactus blancs, ça aurait fait un contraste un peu sur le bas. Donc le bas voilà il est pas exceptionnel. Je l'ai pris vraiment plus pour le haut cactus voilà brassia. Parce que par exemple vous pouvez, moi si je suis vraiment par exemple à la plage, ça c'est vraiment le haut par exemple, le haut du maillot que je peux porter avec un short en jean par exemple ou me balader comme ça au bord de mer. Tout d'abord une petite chevillère, donc ça j'adore mettre ça en été, j'en avais acheté d'ailleurs à Santorin, je les ai tellement portées qu'après bah, du coup bah, ils se sont abîmés. C'est une petite chaîne de cheville avec des coquillages, je vous le montre de plus près. Donc là vous avez la petite tortue, donc évidemment les petits coquillages. Là aussi vous avez encore des coquillages, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Encore des petits coquillages, genre la petite sirène, la petite étoile aussi, étoile de mer, enfin il est trop trop beau, j'ai trop hâte de le porter. Alors là c'était un petit peu un miracle qui s'est passé, donc vous savez depuis que j'ai perdu mon grand-père ben, le 28 septembre. Comment vous dire, je suis toujours autant touchée quand je parle de mon papy, hein, parce que pour moi je réalise toujours pas. J'ai reçu donc le colis Shein le 28, donc faut savoir que mon grand-père est parti le 28 septembre, donc là j'ai reçu le colis le 28 mai. Donc 8 mois après. Donc j'avais commandé juste les 6 robes plus la chevillère. Et qu'est-ce que je trouve au milieu quand même du colis avec les vêtements et la petite chevillère? Je trouve ce collier qui n'était pas emballé. Au début en fait je vois la croix dorée et le petit médaillon mais je percute pas de suite en fait. J'adore tout ce qui est croix et tout ça, hein, j'en porte hein, ma croix de Malte et tout ça, donc j'adore les colliers avec les croix. J'étais trop contente de voir ça parce que je me suis dit ah ouais en plus c'est un sautoir et tout, il est canon à porter et tout, ça change ben, de l'argent, le doré et tout bien bronzé ça va être canon. J'ai dit ah c'est bien, ils m'ont rajouté en fait une petite surprise à l'intérieur. Et en fait plus je voyais cette croix et plus je me suis rendu compte que
y avait sur le médaillon quelque chose d'inscrit et je me suis dit mais on va quand même regarder ce que c'est. Et qu'est-ce qu'il y a en fait inscrit sur le médaillon? La lettre M. Mon grand-père s'appelle Marcel. C'est un collier du coup que je n'avais pas demandé à Chine, hein, à celle qui s'occupe de moi. Grosse coïncidence, le colis arrive le 28 mai, je l'ouvre le 28 mai, 8 mois après, hein, mon grand-père est parti le 28 septembre. Une croix, ok. Un médaillon, la lettre M, Marcel, mon grand-père. Assez choquant quand même. Sur le médaillon, le M représente, parce que derrière il y a la Vierge, donc pour les croyants c'est la Vierge miraculeuse. Pour moi c'est énorme de recevoir ce genre de collier à cette date-ci, que je l'ouvre à cette date-ci, parce que des fois je n'ouvre pas mes colliers de suite, et là je l'ai ouvert le 28 mai dès que je l'ai reçu, je sais pas, j'avais un pressentiment de l'ouvrir rapidement. D'ailleurs j'en ai pleuré, hein, honnêtement, voilà, je tiens à vous le dire, la coïncidence est quand même frappante, moi je ne crois pas au hasard. Un troisième signe, je sais plus si je vous ai parlé des deux autres signes que j'ai eu, mais je préfère au pire les garder pour moi, parce que voilà, après, ceux qui ne sont pas croyants et qui croient pas à ces choses-là, ils vont se dire complètement qu'on est folle ou fou, parce que ça arrive pas que aux femmes, hein, ça arrive en fait aux personnes qui ressentent ce genre de choses. Je ne cherche pas à rentrer en contact avec mon grand-père, je n'ai jamais essayé, mais j'ai quand même eu 3 signes en 8 mois depuis qu'il est parti, ça c'est le troisième signe que j'ai reçu quand même. Ce que j'ai fait en tout cas quand j'ai reçu ce collier, j'en suis encore toute émue. J'ai envoyé un message en fait à celle qui s'occupe de moi, ben, sur le site Shein, et je leur ai dit merci beaucoup pour la surprise que vous m'avez rajouté en fait du collier dans le colis, quoi. Je m'y attendais pas du tout et je suis très touchée, sans lui expliquer, ben, voilà, que pour moi ça représentait quelque chose d'assez énorme. Ils m'ont répondu qu'en gros ils n'avaient jamais rajouté de collier à l'intérieur. Là je suis en train de tourner cette vidéo, j'ai pas été voir encore sur le site si ce collier était référencé ou non. S'il est référencé, je vous le mettrai en barre d'infos. S'il n'est pas référencé, c'est encore un choc de plus, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a bien la lettre M sur le médaillon avec une croix au-dessus. Et derrière, donc c'est la Vierge. J'ai pas de mots, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il n'est jamais très loin, ce petit pendentif. Voilà, bref, c'était tout du coup pour cette vidéo. Donc on en revient à la chose principale. 3 tenues, dites-moi les 3 robes que vous avez préférées dans tout ce que je vous ai montré. Tous sites confondus, que ce soit Everpretty ou Shein, vous me dites les 3 tenues que je dois embarquer à Mykonos. Ça, je compte sur vous, j'ai hâte de lire vos commentaires. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.